Allez, c'est reparti. On va tester Project Diva Future Tone, donc le jeu en deux jeux en fait, qui recompile toutes les chansons qui sont sorties sur la version arcade, c'est-à-dire beaucoup. Je crois qu'il y en a 240, un truc comme ça. Enfin bon, là c'est la démo, un truc comme ça, je sais pas trop. C'est pas marqué démo, mais c'est la version gratuite du PSN. Oula. C'est mieux. Donc je crois qu'il y a deux trois chansons, un truc comme ça, enfin comme une démo quoi. Avant que ça soit un sort de, comment dire, free to play avec des DLC un peu comme Dead or Alive. Je sais pas. Salut Mandy. Bon, j'ai lancé tout à l'heure, donc forcément il y a déjà des données. Ah ouais, mais il triche. Oui, non. Non, il n'a pas sauvegardé le tutoriel, je l'ai quitté en plein milieu. Ah, voilà. Le tutoriel qu'on aime bien. Avec Yevan Polka. Donc ça doit bien faire 6 mois que j'ai pas joué à un Project Diva. Donc faut au moins le tutoriel. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce futur tone. Parce que j'ai. Il n'y avait pas de démo du X, je crois. Bon, évidemment, quand je fais la chanson, je regarde pas trop le chat. Ah, c'est ça que j'ai vu sur Twitter. Enfin, si, ils mettent des flèches, pas seulement les touches de droite, si jamais. Ce qui peut être emmerdant, quoi. Ah oui, d'accord, il y a L1 et R1, ça y est, c'est nouveau. Ah, ou le stick. Non, mais L1, ça va être bien. Ça, c'est nouveau. D'accord, faut rester appuyé. Qu'est-ce que c'est ça encore? Les deux en même temps? Oh putain. Ah, c'est vache ça. J'aime bien pourquoi les inverser. Quel est l'intérêt de les inverser? C'est dans l'autre sens, de toute façon, si je joue avec L1 et R1, c'est pareil. Oui, ça fait pareil. Il n'y a pas besoin de s'emmerder avec des sticks. C'est ça. Ah, mais là il va falloir le stick par contre. Non, non, mais non, on s'en fout en fait. Bon, je sais pas. Bon, après il y a les holds, ça c'est normal. Ça c'est comme les vieux. Mais il n'y a plus de trait? C'est hold comme ça. Dans le vide. T'as plus de repères. Okay. Je sens qu'il y a pas mal de changements. Il va falloir se réhabituer, hein. Je sais pas quand lâcher. Le challenge time.
Et appuie sur des touches, non? Alors, border, oui, oh, il y a une border, c'est quoi border? Je sais pas. Minimum. C'est vrai qu'ils ont changé, normalement, il y avait les scores. Ok. Alors, on a le droit. C'est pas une démo parce qu'il y a des trophées. Non. Ah oui, le son est un peu fort. On va le mettre comme ça. Voilà. C'est pas une démo parce qu'il y a des trophées et que c'est interdit de mettre des trophées dans une démo. Ça doit être une version. Ça doit être une version free to play avec où t'achètes les DLC. Donc comme Dora Life où il y a la version gratuite et t'achètes les filles en DLC et t'as la version payante complète, doit y avoir la version il y a la version payante complète du jeu, puis doit y avoir la version comme ça où tu peux acheter toutes les chansons, juste les chansons que tu veux en DLC. Bon pourquoi pas. Allez, on va faire un petit Weekender Girl. Ça je la connais pas. Je crois pas. Si. Et celle-là. Bah c'est random, on s'en fout. Easy, normal, hard, extrême, ok. C'est quoi ça? Ah, c'est les lettres, ok. Ça, c'est les difficultés. Bon, on va attaquer. Alors, mode. Rhythm game option. Nash, high speed, hidden, sudden. Non, mais rien en fait. Et ça c'est Rhythm Game Start, PV, non bah Rhythm Game c'est bien. Practice, ah il y a un practice maintenant, ok. J'ai pas choisi mes persos, bon c'est pas grave. Je le mets en normal, hein. Gentil. Hein. Ah, ça c'est le même clip qu'on avait sur un... sur la version. Ouais bon d'accord. Ça commence. Oh putain. Faut que je me réhabitue à la visibilité. Enfin la lisibilité plutôt. Ça trouble par contre d'avoir les flèches. Oui, là, normalement, on reste appuyé, là, à ce moment-là. Ah oui, si, il y a quand même les notes en bas.
Les halls ne sont pas super visibles. Hein. Ah merde, il y en avait deux. On a des points encore. Ah, attends, je vais dans le menu. Ah, là on va pouvoir voir les modules. Donc on a qui en perso, on a. Ah oui, oh oui, il y a du monde. Ah, on achète les modules avec les points. Putain, mais il y en a masse. Voilà, voilà, il y a un peu, voilà. Déclinaison de couleurs. Je suppose. Ah oui, mais je... non, ah non, c'est pas dans celui-là qu'on va aider. Je mélange avec le X en plus. Les accessoires, la carte de joueur. Le PS Store et les options. Ah, c'est là qu'il y a le. Non, ça c'est le. D'accord. Son. Non, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ok, bon, continuons. On va se tenter une en hard. On va faire haute de gravité en médium déjà. Non, ça c'est LED. Thank you.
Voilà, c'est encore pas au point les doubles notes. What? C'est quoi ce merdier? Les quatre notes en même temps, mais t'étais pas bien le jeu. Donne-moi de l'argent. Wouhou, les rangs 2 presque, je sais pas. Allez, en hard. On va rigoler. Ah bon, d'un moment, j'ai plus de doigts pour plus tenir le hold. C'est ce qui me semblait. C'est toutes les touches en même temps. Bon, c'était pas si mal. On a fait la même chose qu'en normal. Quoi? Alors. High score. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte?
Upload. Upload Shinai. Bah non, upload Suru, vas-y. Ah, on a débloqué l'extrême. Après l'extrême, il y a un extra extrême. On va déjà faire ça en hard. Hein. Comment on change? Non, ça c'est les machins. Alors on choisit le module. Ah, il y a là. Ça fait un peu oulala là. Osusume. Vas-y, on prend la Osusume. Oui, et équipé. Vas-y. Ah, bah oui, c'est celle-là. Celle-là, c'était quoi la Osusume? Ah, bah, il n'y avait pas de Osusume. Ah si. Voilà. Ah si. Je peux l'équiper même. Comme ça en extrême on sera bien. Attends. Moi c'est bon. Ah là, je suis un peu chelou sur ce module. Complètement de touche, ça va pas le faire. Ah, les doubles, c'est pas ça encore. Hein.
Mouais, mouais, mouais. Ouais, c'est pas la folie, hein. Bon, son tapette est extrême. On va rigoler. Je peux pas holder 50 là, ça marche pas. Hein. J'ai plus assez de doigts là. Un peu bordel. Hein. Ah, c'est même pas stage clear. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est violent. Hein. C'est sans pitié. Hein. Bon, moi j'ai eu un trophée. J'ai fait une chanson en extrême. Voilà. Hein. Donc, c'est la deuxième. Elles sont pas si méchantes parce que ça fail pas. Mais ouais, elles sont quand même. Bon, elles sont avec deux chansons, donc autant profiter. Hein. Ah oui, c'est bien ça. Donc vaut mieux le faire au stick en fait, sinon ça ne fonctionne pas. Thank you.
Waouh, on se calme. Oh, ma vie elle est basse, hein. Catastrophe. Ah bon, bah c'est pas clair non plus, hein. Ce n'est point clair non plus. C'est bizarre. Les extrêmes, elles sont pas ultra. Non, elles sont pas. Enfin, en tout cas, celles-là, elles sont pas ultra méchantes par rapport à avant. Mais par contre, elles sont dures à clear. Alors que avant. Avant, elles étaient dures à... Enfin, elles étaient dures à finir, mais pas à clear. Maintenant, elles sont pas dures à finir, mais dures à clear. Bon. Ça, c'est ça, c'est ça. Bon, ok, bon, on a fait le tour. Hein. Cette chanson, moi, j'ai pas accès ici parce que je suis pas sur le bon compte. Au moment, il va me dire fuck. Je veux juste voir s'il y avait les chansons achetées, mais. Bon, pas le rien, non. Ok, bon bah on a fait le tour, hein. Allez, on va sauvegarder. Ah, c'est l'autosave, d'accord, oui, autosave. Ça c'est le timing. Ça c'est le calculateur du timing. Sur le web. Et par contre, on peut pas choisir. Okini. Ah. Ah, ça c'est les favoris, d'accord. Alors on peut switcher entre les modules, je sais pas comment. L1, ça c'est les lettres. Carré. Ah, c'est le tri. D'accord. Ah oui, triangle, c'est ça.
quoi là? Ah, c'est les notes, oui. Quand on tape. Ouais, ok, c'est là qu'on le désactive, d'accord. Ah, c'est ici qu'on choisit. D'accord, on peut mettre que tout ça, ok. Bah, ça, moi je préfère, j'ai l'habitude de jouer comme ça, donc... clear pot de... merde. Je sais plus ce qu'il y avait. Merde. Contrôleur nos pic. D'accord. Ah, c'est ça, L2 et R2, d'accord. Donc, quand il y en a deux, il faut faire L2 et R2 en même temps. Ok. C'est bon à savoir. Ah, mais on peut remapper toutes les touches. Ah, c'est violent. Ça, c'est à pas le droit. C'est vrai, il dit quoi? Ah, oui, c'est vrai qu'il y a deux jeux. Enfin, c'est vrai qu'il y a Future Tone et Color Tone, un truc comme ça. Ok, bon, bah, on a fait le tour. Bon, on a fait le tour. Bon, et eh ben, allez, ouf, on se retrouve dimanche pour la suite des streams. Et puis Project Diva, un jour je l'aurai, mais je vais attendre de savoir s'il le sort chez nous. Hey, bonne nuit, à la prochaine.